Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de choses à dire concernant ce chapitre, notamment sur la fin. Oda nous a laissé sur un cliffhanger et on ne peut que spéculer. J'imagine que ceux qui lisent les spoilers sont déjà au courant, mais j'ai pas envie de le savoir, croyez-moi. Vous le savez, je vous ai prévenu, donc ne me spoilez pas concernant l'identité de ces fameux îles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Il s'agit d'une requête de fan où on retrouve Carotte en train de préparer un ragoût en le goûtant. Bon, maintenant que ceci est dit, passons au chapitre. Après l'annonce du Buster Call, les marines commencent à évacuer l'île, alors que Saturne et Kizaru vont rester. Kizaru restant donc un fidèle chien du gouvernement, bien sûr. Bon, on ne revient plus dessus. Cette ordure de Saturne dit à Vegapunk qu'il a ordonné la destruction du bateau de chercheurs qui a évacué Egghead. Ce type est une véritable ordure, ça on le sait, on ne revient plus dessus non plus. Il a essayé de se justifier en disant que les chercheurs savaient peut-être quelque chose sur le siècle oublié, donc ils voulaient qu'il meure pour s'assurer qu'ils ne le disent à personne. Alors qu'en réalité, ils ne savaient rien. Et franchement, je trouve ça triste de voir Vegapunk assister à la destruction d'Egghead, le lieu de ses multiples années de travaux et de recherches. Non, franchement, c'est vraiment triste. Les pacifistas reçoivent l'ordre de rester sur l'île pendant que les marines montent à bord de leur navire. Franky et Atlas se rendent à la fusée avec Kuma et Bonnie, alors que Sanji contacte Nami, qui lui apprend que Zoro combat toujours Luffy et que Zubé est allé le récupérer. De plus, elle dit que Brook est allé aider Lilith à déplacer le Sunny et que le Vegaforce a été complètement détruit. En parlant de Brook et Lilith, Brook a eu l'idée de geler les nuages avec ses pouvoirs pour que le Sunny puisse glisser dessus, alors que pendant ce temps, le Buster Call commence. Et pour aggraver les choses, bien évidemment, une emmerde n'arrive jamais seule, Kizaru détruit le tube de la fusée, ce qui fait tomber tout le monde. Sanji décide de les sauver, mais Saturne ordonne aux pacifistas de tuer Kuma et Bonnie. Et ailleurs, nous avons Luffy qui a mangé une tonne de nourriture issue de la machine à bouffe, mais il ne peut pas bouger. Et il est à la merci des soldats. Tout va bien, oui. Tout va dans le meilleur des mondes. Non mais sérieusement, c'est un putain de foutoir là. Ils sont dans la merde. Mais ce que Saturne ne sait pas, c'est que le navire envoyé pour tuer les chercheurs a été coulé avant de pouvoir accomplir sa mission. Un marine survivant tente de contacter Kizaru pour faire savoir qu'ils arrivent à Egghead. Et fin du chapitre. Bien sûr qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Évidemment, c'est typique Oda, les cliffhangers de ce type. Évidemment. Non, mais sérieusement, de qui s'agit-il, les amis? Eh bien, il y a plusieurs possibilités, selon moi. Déjà, premièrement, les révolutionnaires. Ce qui est, de mon point de vue, assez peu probable. Ensuite, la flotte de Luffy, ce qui à mon sens est extrêmement probable. Troisièmement, le navire de Teach aperçu il y a plusieurs chapitres en arrière dont on n'a plus aucune nouvelle. Ça aussi, c'est très probable. Ou alors, la Cross Guild, ou les Mads, ou quelqu'un d'autre. Les possibilités sont multiples pour le coup. Mais selon moi, il y en a deux qui sont beaucoup plus plausibles que les autres. La flotte de Luffy et le navire de Teach. Mais cependant, je miserais personnellement
plutôt sur la flotte de Luffy. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'incident des guides nous a été teasé comme un incident majeur et nous savons que la flotte de Luffy sera à l'origine d'un événement d'une importance majeure. Premier point. Ensuite, on le sait, Oda adore faire des foreshadowing. Ici, nous avons le joli Roger du Yon Tamaria, dirigé par Orlumbus, qui fait partie de la flotte de Luffy, qui représente une coquille d'œuf brisée. N'oublions pas que Egghead se traduit comme tête d'œuf. Le joli Roger en question ressemble au dessin sur le t-shirt de Luffy où il est écrit Tamago Gigan, que l'on traduit comme incident de l'œuf. Pour moi, c'est lié, clairement. Mais il est possible que ce ne soit pas la flotte. Après, avec tout ça par rapport à l'œuf, je me dis pas forcément c'est lié, c'est pas possible autrement. Je prétends pas avoir la vérité, mais pour le coup, en faisant des petites recherches, je me dis que la flotte, c'est beaucoup plus plausible qu'autre chose. Parce que personnellement, je ne vois pas trop qui ça pouvait être, à part eux, le navire de Teach. Enfin, j'imagine que la réponse est dans ceux que j'ai cités. Mais moi, si je mise sur la flotte de Luffy, c'est parce que le fait que l'incident des Gates soit teasé comme un incident majeur et que la flotte de Luffy sera à l'origine d'un événement avec une importance majeure. Donc pour moi, ça c'est pas anodin. Et je sais pas. On verra bien dans le prochain chapitre. Mais peut-être que j'ai mis le doigt sur quelque chose ou peut-être pas. Mais là, avec le dessin de l'œuf brisé, Egghead, œuf, enfin... Ah, je me dis que le lien, il est là, quoi. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi. Je dis bien, je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'Oda va complètement nous niquer et que ça va être quelqu'un auquel on n'a pas pensé. Mais qui? Ah, ça, j'en sais rien. Oda, c'est le maître, c'est lui qui gère. Mais il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Le fait que ce soit quelqu'un qui n'ait pas été mentionné par les fans, quelqu'un auquel on ne pense pas, j'avoue que ce serait fort, mais qui... J'avoue que je ne suis pas allé réfléchir aussi loin. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais sans spoiler, surtout si vous savez ce qui se passe dans le prochain chapitre. Mes amis, c'est important, parce que je sais qu'il y a des fans, enfin, j'appelle ça plutôt des guignols en soi, mais bref, qui s'amusent à spoiler les youtubeurs, les théoriciens, quand leurs théories se révèlent fausses. Alors tu as eux là qui viennent pour dire c'est faux, c'est ça, donc dans ta gueule. Oui, je sais qu'il y en a, ça m'est déjà arrivé par le passé, ça je m'en rappelle. Et par pitié, ne me faites pas ça, je tiens à découvrir dimanche de qui il s'agit. On va voir si j'ai raison ou pas, mais s'il vous plaît, ne me spoilez pas parce que je peux vous dire que ça va mal se terminer. Enfin bon. Les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos théories. Qui sont ces fameux îles? S'agit-il de la flotte de Luffy, des révolutionnaires, du navire de Teach, la Cross Guild ou quelqu'un d'autre auquel on n'a pas pensé? En plus de ça, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye !